Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente le GB2790QSU, un écran qui nous vient tout droit de chez Yamaha et qui propose une dalle de 27 pouces en IPS avec une définition QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440 pixels. On est sur un taux de rafraîchissement assez élevé puisqu'il propose 240 Hz avec une prise en charge du AMD FreeSync. En ce qui concerne le G-Sync compatible, il n'a pas été validé par Nvidia, donc du coup ça va changer en fonction des pilotes d'Nvidia. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est un petit peu aléatoire de ce côté-ci. Pour le reste des caractéristiques, on est sur une dalle proposant 1 milliseconde en gris à gris. On a aussi un taux de contraste 2000:1 et on a une luminance maximale de 400 nits. Alors comme vous le voyez, il va à l'essentiel et le prix va un peu moins à l'essentiel. Il est de 495 euros sur le marché. Sur le devant, on a un cadre borderless sur trois côtés. Donc on voit un tout petit peu, mais 5 mm, c'est pas grand chose. Une large bande noire en dessous avec le logo Yamaha ressortant en gris et des inscriptions pour pouvoir naviguer dans l'OSD, donc avec différents boutons et le bouton power. Petite critique comme ça, les boutons ici avec le bouton power à côté, on a vite fait de faire une mauvaise manip. L'écran est réglable en inclinaison. En hauteur, par contre, il ne propose pas la rotation, mais propose quand même le pied sur pivot pour mettre en mode portrait. La base en dessous est en plastique avec une partie de la colonne en plastique. Le tout est doublé bien sûr de métal et donc du coup ça permet de gérer, de tenir l'écran sur le bureau correctement. Au niveau de la fixation, elle reste assez solide à nos yeux en tout cas, et l'écran ne bouge pas beaucoup. En ce qui concerne le derrière de l'écran, on est vraiment sur quelque chose de soft, enfin qui va à l'essentiel. On a un carénage plat noir avec un petit retrait ici, en noir aussi, noir mat, tout est noir mat. On a 4 vis ici pour pouvoir démonter le pied de la dalle et donc du coup le poser sur un VESA. Au-dessus, on a des mèches d'aération et la colonne reprend les mêmes plastiques avec un petit morceau de plastique en plus pour faire le cap management et on a le logo G-Master en gris ici. Au-dessus, on a le logo Yamaha. En dessous, on a la connectique avec justement un HDMI, un DisplayPort et deux prises USB ainsi qu'une prise casque. En ce qui concerne l'OSD, donc il est gérable avec plusieurs boutons. On a au premier coup des raccourcis, donc avec la source, les commodes, les informations et bien sûr le volume. Et ensuite, quand on va appuyer sur le bouton, on va voir un petit menu. Chaque icône correspond à une page de l'OSD. Et en fait, quand on va rentrer dans l'OSD en sélectionnant la bonne icône, on retombe sur directement le... Donc, on va retourner à la première avec l'image. Le réglage de l'image se fait avec le contraste, la luminosité, l'overdrive, le contraste avancé, les commodes, la lumière bleue, le black toner pour pouvoir soit voir un peu mieux dans le noir pour les FPS ou améliorer les noirs, la saturation de couleur, l'HDR et l'AMD FreeSync Premium. La source avec l'HDMI, le DisplayPort et bien sûr le réglage automatique. On a l'audio avec le volume et le mute. On a trois modes utilisateurs où on va pouvoir enregistrer nos paramètres. On a aussi le color setting avec la température du blanc, donc avec froid, normal ou chaud. On a un réglage aussi en 6 axes et on a le réglage des trois couleurs ainsi que le gamma. On a l'ajustement de l'image avec des différents styles enregistrés dans l'OSD, la X-Ray technologie, technologie de résolution, Sharpen Soft, RGB Range, et bien sûr le mode vidéo Adjust. La langue,
Le setup menu, donc avec la transparence, la rotation, la localisation, enfin le logo de démarrage qui est d'ailleurs en blanc sur, enfin sur fond blanc, donc ça pète un peu les yeux à l'allumage, et bien sûr la LED d'état et le temps de, bien sûr, le temps d'affichage de l'OSD. On a aussi les informations de l'écran, donc là 1440p en DisplayPort, en 240 Hz et HDR éteint, et bien sûr on va pouvoir réinitialiser l'écran. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce Yamaha GB2790QSU, donc un écran aux alentours de 490-495€ sur le marché. C'est un écran en QHD, 1440 pixels donc en hauteur et 2560 en largeur. On a aussi du 240 Hz, du 1 milliseconde, donc sur le papier c'est plutôt pas mal. Si cet écran vous intéresse, vous pouvez lire le test écrit complet sur cocotteland.com. On se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.